Salut à tous les amis, c'est le Sim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cars. Ça faisait un petit moment. Ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas eu Cars. Je voudrais m'excuser parce que même là, on est déjà. Alors, au moment que, juste avant, au moment que je vous présente les deux voitures, au moment que je tourne cette vidéo, je ne sais pas si je vais la poster mardi soir ou alors. Donc mercredi ou alors jeudi. Donc, je ne sais pas encore. Là, quand vous allez la regarder, vous allez la regarder peut-être jeudi ou peut-être mercredi, donc je ne sais pas encore. J'ai beaucoup, beaucoup. Vous allez dire oui, j'ai beaucoup de vidéos en retard parce que ce week-end, j'ai pas pu tourner les vidéos. En fait, j'ai été pas mal occupé. Je pensais que dimanche, j'allais avoir le temps de préparer la vidéo. La vidéo retruck. Mais là, en fait, je suis rentré chez moi un peu plus tard que prévu, donc je n'ai pas pu tourner la vidéo. Ah, elle est sortie depuis le temps que vous regardez cette vidéo. Mais voilà, j'en ai déjà reparlé dans la vidéo que vous pouvez aller voir. C'est pareil, la vidéo présentation mode sur farming. Elle est. Alors normalement, elle va être. Si elle va être bien normalement, hein, elle va être pile poil à temps. Mais là, faut que je vous explique qu'en fait. Je dois tourner 3 vidéos en 2 heures. Cette vidéo-là, en Cars. La vidéo Eurotruck. Et la vidéo Farming. Heureusement, tout est prêt. Tout est prêt, tout est prêt. Donc, heureusement que j'avais tout préparé samedi. Donc, voilà. Donc, comme on est sur une vidéo Cars, je vais vous présenter rapidement les vidéos. Les deux voitures qui auraient dû être la semaine dernière, mais qui a eu un bug. Donc, on a ces deux voitures, donc Fillmore et Sergent, qui sont deux copains. Faut pas l'oublier. Fillmore et Sergent sont deux copains. Alors, qui ont un caractère très, 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 très. Qui ont un caractère très, très différent. On peut voir Fillmore. Fillmore qui a un caractère assez cool, assez détends-toi. Alors que le shérif, c'est tout le contraire. C'est plus t'es fait, mieux ça sera. Et voilà. Et que Fillmore, lui, c'est vraiment, oui, 2 minutes, il y a le temps, c'est tranquille. Non, vas-y, faut se dépêcher, qui dirait Sergent. Donc, on va commencer avec. Je vais enlever Sergent. Tac, on la voit plus. Si, on voit l'ombre. D'accord, voilà. Je vais commencer avec Fillmore, qui est donc une voiture PI. PI, pas PI, hein, PI, Peace and Love quoi. Voilà, il y a marqué Peace and Love. Je vous n'ai peut-être plutôt pas trop, attendez. Voilà, vos lumières étaient un peu mal réglées. Donc, Peace and Love. Peace and Love. Avec une route, des pneus verts, hein, plein de fleurs. Donc, c'est un véhicule très vert. Et là, il y a marqué Love. Donc, peace and love. Donc, peace and love. Avec donc le signe PI là, en violet. Et puis un arc-en-ciel donc pour la beauté, l'amour, tout ça. Et la paix, bien sûr. C'est pour ça qu'aussi il y a plein de fleurs, des routes, des trucs. Voilà. Il y a plein de petites étiquettes, de panneaux, de plaques d'immatriculation, tout. Et devant, bah, on peut voir quand même son expression du visage qui est quand même assez cool en soi, hein. On peut voilà. Qui alors que Sergent, lui, il est iboud, il est un peu ronchon. Je sais pas si vous allez très bien le voir, il est un petit peu ronchon. Et il est, c'est vrai qu'il est très très simple. Il est, bah, de toute façon, c'est une voiture militaire de toute façon, hein, avec derrière un petit rechange et puis un bidon d'essence pour. C'est un jerrycan. Je crois que c'est un jerrycan d'essence. On appelle ça comme ça avant, bon, on appelle ça toujours comme ça, mais on dit un peu plus bidon d'essence. Mais c'est vrai que bidon, c'est les trucs un peu plus haut, rond. Donc il y a en fait en métal, partout en métal, et pour faire la partie tissu, donc tout ça c'est du tissu qui prend pas l'eau. Tout ça pour faire genre, ils ont mis du plastique quoi. Donc voilà. Le pneu, c'est des pneus donc pour aller dans la terre. Voilà.
Donc le Sin 95, parce qu'en fait là c'est une voiture que j'ai achetée pendant Cars 2, donc toutes les voitures Cars 2 elles avaient le Sin 95 sur le côté. Fillmore aussi elle avait le Sin 95 sur le côté, mais bon. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La plaque d'immatriculation qui n'est pas la même, hein, s'ils ont fait attention. Non, ils n'ont pas la même, il n'y a aucune qui est même, ça c'est vraiment, ils ont fait très attention. L'étoile, donc l'étoile qui l'étoile américaine, parce que faut quand même se dire que c'est une voiture américaine et non française. Nous les Français on avait un rond bleu blanc rouge, voilà. Donc et les Américains ils avaient une étoile pour combien on les voyait. Donc c'était un véhicule de la Deuxième Guerre mondiale, hein, bien sûr, qui ouais, c'est un peu pour donner le genre Deuxième Guerre mondiale. Et puis bah, le dessous est quand même assez simple, bah, quand même assez simple mais relief. Il est plus simple celui de Fillmore. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur ces deux voitures. Moi je vais vous laisser, je vais aller tourner d'autres vidéos. Je vais aller tourner d'autres vidéos. Moi les amis, je vous retrouve encore ce week-end normalement pour une vidéo Cars. Donc pour un peu rattraper. C'est vrai que j'aurais pu faire des vidéos tous les jours. Mais non, il faut quand même. On n'est pas Noël, on n'est pas. Peut-être qu'à Pâques, j'en ferai une peut-être tous les jours. Non. Non, je pense pas. Non, plus pendant les grandes vacances, peut-être que je ferai une vidéo par jour, si j'ai encore ma chaîne. Donc voilà, bah, les amis, moi je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les cloches pour avoir toutes les notifications de la chaîne, les vidéos qui sortent à l'heure. De mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. De bien sûr de me pardonner pour le retard des vidéos. Bah, c'est vrai que Cars, elle a déjà 2 semaines de retard, et puis la vidéo. Farming, la vidéo le lundi, quoi, les vidéos du lundi, donc Farming Euro Truck, ont quand même une semaine un jour de retard, donc voilà. C'est vrai que c'est pas très à l'heure, hein. Et de laisser un commentaire et de partager la vidéo entre amis. Allez, bye!